Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ensemble un petit chapeau d'été, un peu comme un bonnet, donc au tricot taille naissance 3 mois. Pour réaliser ce petit chapeau, il vous faudra tout d'abord du fil qui se tricote en 2,5-3 mm. Donc moi ici c'est la Corrida 3 de chez Pingouin, donc ça fait un petit moment que je l'ai, vous voyez c'est une ancienne étiquette, je ne sais pas s'il y en a encore en vente, il faudrait aller voir sur leur site. Donc c'est du 60% coton, 40% acrylique, donc pour les chapeaux d'été forcément le mieux c'est le coton, pour pas avoir trop chaud, que ça ne tient pas trop chaud à la tête. Et surtout aussi la couleur, des couleurs claires comme le blanc, vraiment des couleurs très claires pour pas attirer le soleil sur la tête. Donc c'est bien du fil qui se tricote en 2,5-3. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 3 mm, une petite paire de ciseaux, un mètre ruban et une petite aiguille pour la couture. Notre chapeau se commence sur le bas avec les petits froufrous et ensuite on monte et on terminera par le haut du chapeau. Alors ensuite il faudra faire les petits cordons pour venir attacher le chapeau pour pas qu'il ne s'envole ou qu'il tombe pendant les promenades par exemple. Pour commencer, vous prenez votre fil, vous prenez vos aiguilles et on va monter. Alors c'est un nombre de mailles assez conséquent du fait qu'il y a des froufrous, mais bien sûr il y aura beaucoup de diminutions et à la fin du compte on aura presque plus de mailles sur nos aiguilles. Donc pour commencer on prend assez de marge. Prenez pas mal de fils car on va monter 170 mailles. Donc ça va être un petit peu long, je préfère vous prévenir parce que comme on tricote avec du fil très fin, parce que comme c'est pour l'été, il faut forcément du fil fin et des aiguilles fines, forcément c'est toujours un petit peu plus long. Donc c'est parti, je monte mes 170 mailles. Voilà. Commence. Une. Ah, décidément. Hop, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai mes 170 mailles de montée. Mon premier rang, je le fais en piquant dans le bras arrière, mais vous piquez dans le bras avant normalement. Et on va tricoter comme ça 1 cm de point mou, c'est-à-dire toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. Donc moi, mon premier rang, je le fais comme ceci, pour moi m'aider à piquer dans les mailles juste pour le premier rang, mais ensuite je pique normalement comme une maille à l'endroit. Donc on va faire ça pendant 1 cm pour avoir un petit bord de point mou, simplement pour pas que ça roulotte. Donc je vais faire mon premier rang comme ça, puis mes 1 cm de point mousse et on se retrouve pour la suite. Voilà, les 1 cm sont tricotés. Voilà. Maintenant, on va tricoter en jersey. Donc, c'est facile. Sur les rangs en droit, donc le petit fil ici se trouvant sur votre droite, c'est qu'on est sur un rang en droit. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et sur l'envers, donc le rang retour, on va tricoter tout à l'envers. Mais en même temps ici, on va effectuer nos diminutions pour les petits voiles. Donc c'est facile. On va commencer par tricoter une maille. Ensuite, on va tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. On a fait une première diminution. Ici, on va refaire une diminution. Mais cette fois-ci, on va glisser une maille, tricoter la maille suivante et prendre la maille glissée, la passer par-dessus la maille tricotée. Et on aura fait une deuxième diminution. Et on va faire à chaque fois comme ça des diminutions deux fois. Maintenant, on va tricoter 20 mailles. Normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va refaire nos diminutions de la même façon. Donc, deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille glissée. On tricote la maille suivante. On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et on a fait nos deux diminutions. Maintenant, on retricote 20 mailles. On refait nos deux diminutions. Donc, deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille glissée, une maille tricotée. On repasse la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On refait 20 mailles. Une diminution deux fois. 20 mailles, une diminution deux fois. Ainsi de suite sur tout le rang. Et à la fin, vous devriez avoir, donc, après votre dernière diminution deux fois, normalement, il vous restera 21 mailles. Vous les tricotez tout à l'endroit normalement. Le rang suivant, qui est le rang vert, lui, on va le tricoter tout à l'envers sans faire de diminution. Donc, je vais vous montrer. Donc, pour l'instant, je termine mon rang de diminution qui se fait, bien sûr, tout à l'endroit. Et je vous montrerai donc pour tricoter les mailles à l'envers sur le rang retour, le rang envers. Voilà, j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, je vais tricoter donc toutes les mailles à l'envers, comme je vous ai expliqué. Car on va sur du jersey. Le fil devant et on tricote toutes les mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang envers. Le rang suivant, on est sur l'endroit. On va tricoter à l'endroit et on va effectuer nos diminutions. Mais cette fois-ci, tout à l'heure, entre chaque diminution, nous avons fait 20 mailles. Comme on a fait justement les diminutions, maintenant, on va en faire 18. Donc, je vous montre. On tricote une maille. On fait deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille glissée, on tricote la maille suivante, on repasse la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et on a fait notre première diminution, enfin nos premières deux diminutions. Maintenant, on tricote 18 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Maintenant, on refait deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille glissée, une maille tricotée, et on reprend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, on retricote 18 mailles. On fait 2 diminutions, 18 mailles, 2 diminutions, ainsi de suite. Et normalement, à la fin de votre rang, dès que vous avez fait votre dernière diminution, vous devriez avoir 17 mailles. 19 mailles, pardon, je me trompe. 19 mailles ici. Donc, je continue ici mon rang de diminution. Le rang suivant, je le tricote tout à l'envers normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Voilà. On peut voir ici où nous faisons les diminutions. Vous voyez, ça fait une petite bosse comme ça. Mais c'est normal, c'est pour former, comme je disais, ce qui va faire un petit peu comme un voile. Donc, enfin une vague plutôt. Donc maintenant je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Je vais faire encore un rang de diminution, mais cette fois-ci on ne va pas tricoter 18 mailles entre chaque diminution, nous allons en tricoter 16. Donc on fera une maille, deux mailles ensemble, une maille glissée, une maille tricotée, on repasse la maille glissée par-dessus la maille tricotée, 16 mailles. On refait nos diminutions, donc deux fois, 16 mailles, etc. Et on terminera par donc, nos deux diminutions et 17 mailles. Le rang suivant, qui est le rang envers, on tricotera tout à l'envers. Ensuite, on refera un rang de diminution, mais au lieu de 16, on fera 14 mailles. Ensuite, le rang envers, tout à l'envers. Ensuite, au lieu de 14, on fera 12. Un rang envers, et ensuite dans le dernier rang de diminution on aura 10 mailles entre chaque diminution. Donc ce qui vous fera, donc une fois que vous aurez terminé entièrement vos rangs de diminution, donc je répète hein, jusqu'à temps que vous ayez 10 mailles entre chaque diminution, vous aurez normalement un total de 94 mailles sur vos aiguilles. Donc, je vais continuer moi mes rangs de diminution et on se retrouve après, donc une fois que j'aurai tout terminé et que j'aurai mes 94 mailles sur mon aiguille. Voilà, j'ai terminé mes diminutions, donc je me suis trompée, ce n'est pas 94 mailles que vous devriez avoir, mais 86. J'ai mal compté et c'est bien 86 mailles. Donc là, c'est normal si ça fait un petit peu comme ça. Ça ne se verra plus une fois qu'on aura fait la couture. Il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Donc, dès que vous avez vos 86 mailles sur vos aiguilles, maintenant, on va tricoter tout en jersey normalement, sans diminution, sans augmentation, sans rien. On va tricoter simplement tout droit. Donc c'est facile, hein, sur le devant on tricote à l'endroit et sur l'arrière on tricote à l'envers. Et on va faire du jersey endroit pendant 7 cm de plus. Donc là ici normalement vous avez déjà tricoté 4. Donc si on rajoute 7, ça vous fera au total 11 cm de tricoté. Donc, je vais tricoter mes 7 cm de jersey et on se retrouve après pour les diminutions en haut du petit chapeau. Voilà, j'ai terminé mes 7 cm de jersey endroit. Je suis bien au total à 11 cm de hauteur. Maintenant, on va faire les diminutions pour le haut du petit chapeau. Donc, les diminutions, c'est toujours très simple. C'est simplement deux mailles tricotées ensemble à l'endroit. Les diminutions, on les fait bien toujours sur l'endroit de l'ouvrage, donc le côté où on voit le jersey en droit. Et sur l'envers, ça sera toujours tricoté tout à l'envers, normalement, sans diminution. Donc tout à l'heure, ici, nous faisions des diminutions deux fois, mais ici, c'est des diminutions simples. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais vous montrer déjà pour le premier rang de diminution. On commence par tricoter une maille. Deux mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, on va tricoter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On refait deux mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, on retricote 12 mailles. Et on va faire ça sur tout le rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je refais deux mailles ensemble à l'endroit. Et on répète donc 12 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit, 12 mailles, deux mailles ensemble à l'endroit, etc. Et après votre dernière diminution, donc la dernière fois que vous faites deux mailles ensemble à l'endroit, il vous restera normalement 13 mailles sur l'aiguille. Donc je continue mon rang. Le rang suivant, on tricotera tout à l'envers normalement. Et ensuite, je vous montre pour les rangs suivants, donc de diminution. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur le devant, je vais refaire un rang de diminution. Donc je vais faire une maille, deux mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, je ne vais pas tricoter 12 mailles comme le rang d'avant, mais je vais tricoter 11 mailles, car comme on a fait des diminutions, forcément il faut enlever des mailles. Donc on fera 11 mailles, deux mailles ensemble, 11 mailles, deux mailles ensemble, etc. sur tout le rang. On terminera le rang par deux mailles ensemble, puis 12 mailles. Le rang suivant, on tricotera tout à l'envers normalement. Ensuite, on reprendra les diminutions, donc une maille, deux mailles ensemble. Et cette fois-ci, on tricotera 10 mailles, deux mailles ensemble, 10 mailles, etc. Sur tout le rang, on terminera par deux mailles ensemble à l'endroit, puis 11 mailles. Le rang d'après, on fera un rang envers tout à l'endroit, tout à l'envers, pardon. Ensuite, on reprend un rang de diminution avec cette fois-ci 9 mailles et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 6 mailles. Donc le dernier rang de diminution, vous ferez donc une maille, deux mailles ensemble, 6 mailles, deux mailles ensemble, 6 mailles, deux mailles ensemble, etc. Vous terminerez par deux mailles ensemble, puis 7 mailles. Et au total, vous aurez sur vos aiguilles 44 mailles, si je ne me trompe pas. Donc, j'espère que vous avez bien compris. À chaque fois, on enlève bien une maille. Vous voyez, donc 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Et on aura donc au total 44 mailles sur nos aiguilles. Donc, je vais continuer mes diminutions et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. J'ai bien mes 44 mailles sur mon aiguille. Arrivé ici, on va tricoter toutes les mailles deux par deux ensemble à l'endroit. On dit bien sûr l'endroit de l'ouvrage. Donc, toutes les mailles deux par deux ensemble à l'endroit, ce qui nous fera 22 mailles sur nos aiguilles. Voilà, j'ai tricoté toutes les mailles 2 par 2. Arrivé ici, on va donc prendre un petit peu de marge qui va nous servir pour la couture. On coupe le fil. Voilà. On prend une aiguille à coudre. On passe donc le fil dans l'aiguille. Voilà. Et avec notre aiguille, on va simplement récupérer toutes les mailles, donc les 22 mailles qui se trouvent sur notre aiguille à tricoter. Donc tout simplement, vous voyez, hop, je récupère. On tire un peu dessus pour les faire descendre. Voilà. On continue. Voilà. Hop, on tire sur le fil et on tire pour fermer le haut de notre chapeau, tout simplement. Maintenant, on va faire la couture le long de notre chapeau. Donc moi, la couture, je préfère la faire sur l'endroit, mais bien sûr, chacun a sa technique. Donc, quand c'est du jersey, c'est très simple. On écarte simplement les petits, vous voyez, ça, les petits V. On écarte tout simplement. Et on vient récupérer, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, il y a des petits fils qui se trouvent, vous voyez, entre chaque maille. Et là, il y a un petit fil, hop, je viens simplement le récupérer. Et je tire. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, au bout d'un moment, quand on sait qu'il n'y a plus besoin de tirer pour récupérer le petit fil, on sait simplement qu'entre chaque V, il y a un petit fil et qu'on vient récupérer celui-ci. Vous voyez, on pique, hop, tout simplement. Et on fait ça tout le long de notre chapeau. On fait attention d'avoir une couture régulière. Hop. D'un côté et de l'autre. Donc je continue ma couture. À la fin, on n'oublie pas de rentrer tous les petits fils et ensuite, donc je vous expliquerai pour faire les petits liens pour pouvoir attacher le chapeau. Voilà le petit chapeau terminé. Donc là, le devant, l'arrière avec ici la couture, voyez, l'intérieur, quelque chose de propre, hein, pas trop épais. Donc vous pouvez laisser le petit chapeau comme ça, mais moi ici je vais rajouter 2 petits cordons pour pouvoir donc attacher le petit chapeau, pardon, à la tête de l'enfant. Donc vous avez 3 possibilités. La première possibilité, c'est de prendre 3 brins de fil ou peut-être même 6 pour que quand même les cordons soient assez épais pour pouvoir pour pas étrangler justement l'enfant, et vous faites une jolie tresse, enfin 2 jolies tresses, voyez, une de chaque côté. Après, la seconde possibilité, c'est de faire un cordon avec des aiguilles double pointe ou des aiguilles circulaires. Donc j'avais fait une petite vidéo qui explique justement comment faire des petits cordons. Donc il suffit de rechercher un petit peu sur ma chaîne YouTube et vous allez retrouver cette vidéo. Et ensuite, la troisième possibilité, donc celle que moi j'ai choisie, c'est de faire 2 jolis cordons au crochet. Donc je préfère le crochet parce que je trouve que c'est plus rapide et puis j'aime bien faire tous mes petits cordons et ficelles en général au crochet. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment les faire. Pour faire mes petits cordons, donc j'ai pris le même fil que je viens de faire le petit chapeau. Je vais simplement le doubler parce que je veux quand même que mes cordelettes soient un peu plus épaisse et pas trop fine. J'ai pris un crochet 2,5 et je vais simplement, donc vous voyez, vous prenez simplement 2 fils, 200 mètres environ, vaut mieux prendre un peu trop que pas assez, et je vais simplement faire donc mes 2 cordons. Donc je vais déjà en commencer par un. Donc pour commencer, on fait une boucle comme ceci, le fil de gauche on le passe en dessous de la boucle et avec le crochet on vient récupérer le fil qui se trouve au milieu par le devant et on tire et on a fait un nœud tout simplement. Maintenant le reste consiste à faire des jetés, donc enfin des mailles en l'air tout simplement. Donc un jeté autour du crochet et on le passe dans la boucle, un jeté autour du crochet, on le passe dans la boucle. Vous voyez, tout simplement, c'est vraiment pas difficile et très rapide à faire. Et on fait ça tout le long. Et on va faire un cordon de 20 cm environ. On préfère prendre trop grand, comme je dis, que plutôt que ce soit trop court. Donc je vais faire mon premier cordon. Et je ferai mon deuxième de la même façon, de 20 cm environ. Quand les 20 cm ont été crochetés, on tire simplement sur le crochet comme ceci et hop, on fait et on tire et ça fait un nœud tout simplement. Donc j'ai fait mon premier cordon, je vais faire le deuxième. Voilà, mes 2 petits cordons sont faits, donc il ne me reste plus qu'à les coudre sur mon chapeau. Non, on va pas les coudre ici où il y a le petit voile, on va les coudre un petit peu plus haut, voyez. Parce que si on coud ici, ça va pas faire joli. On va les coudre à l'intérieur, juste après que nous avons fait donc les petits froufrous au bord. Avec notre aiguille. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le petit chapeau à l'envers, comme ça, ça sera plus simple. On met bien la couture sur le derrière et on vient coudre, voyez, ici tout simplement. On fait une petite couture, on essaie de faire quelque chose de joli et de propre. Pas de faire un petit nœud. Hop. On peut passer les petits fils qui restent au bord sur quelques centimètres de notre cordelette tout simplement. Hop, hop. On coupe et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, voilà, le petit chapeau taille naissance 3 mois pour l'été est maintenant terminé. Vous voyez, c'est vraiment super mignon, j'aime beaucoup. Voilà, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.